Bonjour Poisson, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de mai. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on va aller voir où vous en êtes, dans le perso, le pro, les amours. On mettra aussi un petit garde-fou pour savoir ce qu'il faut garder en tête justement. Et on mettra un obstacle pour pouvoir surmonter les choses de la meilleure des manières. Il y aura une extension à ce tirage, donc si le tirage général vous parle, je vous conseille d'aller voir l'extension. On creuse, on va voir les gens qui sont autour de vous, on va voir la façon dont ils vous ressentent pour que vous puissiez aligner ce que vous avez envie de dire et d'exprimer justement à ce que les gens comprennent. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amène sur Vimeo, vous avez une bande-annonce, vous pouvez déjà aller voir les premières cartes si ça résonne toujours. Si vous n'êtes pas sûr, je conseille toujours d'aller voir aussi vos tirages généraux dans les autres mois pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Une fois que vous êtes sur Vimeo, vous pouvez louer toute la série ou vous pouvez louer juste votre signe, par exemple, le signe qui vous intéresse si vous regardez pour quelqu'un d'autre. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne et faire en sorte que ça continue, je vous en remercie infiniment. On va aller voir, Poisson. On a déjà une carte qui s'est jetée. Je l'ai bien vue. Enfin, je ne l'ai pas vue, justement. Je l'ai bien sentie. On va aller voir les énergies qui sont autour de vous. Le perso, le pro, les amours. Vous en avez deux. Là, il faudra arriver. Et un petit obstacle. Tiens, c'est vous, ça aussi. Hein. Le valet de coupe. Le rêveur. Alors, on a la carte du 5 de bâton. Je voudrais faire mieux, je voudrais faire plus. Je voudrais montrer à tout le monde tout ce que je peux faire. Il y a quelque chose de très combatif dans la carte du 5 de bâton. Reine d'épée, reine de coupe. Oh, comment elles sont en train de se regarder toutes les deux. Ah, je sais, je vois déjà. Je pense qu'il va falloir que vous soyez fort pour essayer de convaincre ou de passer ou de faire en sorte que. Et vous, vous avez envie d'être tout amour. 5 de coupe, 7 lunes. 10 d'épée. Ah bah déjà, au moins, c'est déjà ça. Et le soleil dans les obstacles. Ben, c'est parfois, à vouloir voir les choses trop jolies, les gens trop gentils, on se retrouve un peu dans la panade et on peut être déçu. Il y a quelque chose avec ce soleil dans les obstacles, ou s'il y a des gens qui vous font penser que c'est trop beau pour être vrai, c'est sans doute trop beau pour être vrai. Il y a peut-être des gens qui veulent absolument voir tout positivement et ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont promis. Et ça peut déballer de belles conséquences. Il y a quelque chose, Poisson, dans votre capacité à regarder les choses où vous voulez laisser une chance avec cette reine d'épée. Je vois bien, la reine d'épée, logiquement, elle doit trancher. Elle doit justement voir les choses honnêtement. Voilà ce qui est, voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'il faut décider ici et maintenant. Les éléments sont tels. La situation mérite tel. Voilà, on prend les choses en main et c'est parti. On prend les choses en tête plutôt et on considère tous les éléments et on trie le grain de livret. Et là, il y a quelque chose chez vous où vous avez... Alors, je pense que vous avez aussi envie que les gens vous prouvent qu'ils sont là, qu'ils sont capables, qu'ils ont envie, qu'ils sont heureux, qu'ils sont... Et s'ils ne sont pas exactement là, il y a peut-être chez vous quelque chose qui fait « Bah pourquoi ?» Perplexe. Vous voulez être flexible et je pense que c'est bien, mais j'ai le sentiment vraiment que vous voulez laisser le bénéfice du doute. Mais le fait est que avec ce 5 de bâton, vous êtes peut-être vous-même en train de vous battre, alors qu'il y a peut-être des choses qui ne méritaient pas toute cette énergie. Parce que vous laissez certaines choses en suspens, ou vous préférez laisser certaines choses en suspens. Du coup, vous devez faire double. Et alors, je vous avouerai que même si vous faites tout ça avec le sourire, c'est aussi donner l'impression aux gens que vous êtes partout à la fois, et ça doit être un peu drainant. Vous gardez peut-être certaines vérités en vous, vous voulez peut-être pas tout dire. Alors, j'aime bien cette carte du 10 d'épée, parce que il n'y a pas plus loin dans le mental que le 10 d'épée, donc si c'est là où il vous faut arriver, c'est une réflexion qui arrive enfin à destination, on dira. Mais c'est aussi parce que vous regardez les choses et c'est un peu fataliste. Vous avez tout pris en considération.
Vous avez tout entendu, vous avez tout vu, vous avez tout réfléchi. Ça vous a causé les pires angoisses et les plus grandes obsessions. Et maintenant, ben, on est au... Alors j'ai envie de dire presque déjà à l'élaboration de la suite, mais quelque part à la considération que, ben oui, c'est comme ça. Et bon, ben, on va pas en mourir, mais effectivement, on peut avoir été... Alors, j'ai entendu foutrement agacé, et je pense que c'est ça. Au niveau du professionnel, vous avez cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est la maman, hein. C'est, elle est dans, elle écoute tout le monde, elle comprend tout le monde, elle fait en sorte qu'elle réexplique, elle voit même ce que les autres cachent. Mais elle essaye toujours de voir le bon dans, alors j'ai envie de dire dans ses enfants, dans ses partenaires professionnels pour le coup, collègues, clients, banquiers. Et je pense qu'il y a un petit côté de vous, peut-être, Poisson, qui sera en train de faire des comparaisons. Et peut-être que vous mettrez aussi certaines choses en... peut-être sans le vouloir, hein, en compétition, comme une maman avec tous ses enfants qui dit « Oh, ben dis donc, Carole, t'as mieux fait que Julie, hein, aujourd'hui. » Et du coup, Carole et Julie, elles se regardent comme ça. « Dis donc, dis donc. Donc, il y aura peut-être un petit côté joueur, mais où vous préférez rester en, dans l'obscurité, en regardant les autres aussi se frictionner pour essayer de faire mieux, on dira. Il y aura peut-être effectivement de la compétition ce mois-ci dans votre poisson, dans votre ciel professionnel, on dira, mais il y a quand même des choses qui sont relativement décevantes. Mais alors vous, vu que vous êtes cette reine de coupe en train de vous occuper du bien-être de tout le monde, vous pouvez être aussi surpris qu'il y a des gens qui voient pas tout ce qu'il y a de positif dans la situation. Mais je pense que vous faites aussi le tampon entre peut-être des décisions qui sont un peu hard, un peu dures, et des conflits peut-être qu'il y a à l'intérieur de votre travail qui font que vous vous regardez en disant « Oh, ben c'est pas leur faute, regarde, regarde !» Alors, de la communication, des opportunités, de la productivité, et puis, il y a une façon de faire qui est très organisée, mais qui est très, comment est-ce qu'on dit ça, structurée, ce mois-ci dans votre travail. Si les gens envoient des messages, ils espèrent des réponses, et des réponses avec les résultats qu'ils recherchent exactement. Et du coup, ça laisse pas vraiment de place à la créativité. Alors vous, vous allez comprendre, c'est un peu comme si vous étiez un chef d'orchestre ce mois-ci au niveau du travail. Mais vous savez aussi qu'il y en a, malheureusement, des musiciens qui sont pas vraiment à la hauteur. Et pourtant, il va falloir faire avec. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Poisson ? Tiens, jongler. Jongler avec les possibilités. Vous aurez peut-être des options. Et ne soyez pas, justement, avec cette reine d'épée. On le voit, vous voulez regarder tous les côtés, tous les angles, considérer tous les angles avant de vous décider ou avant de mettre une étiquette sur quelque chose. Et c'est exactement ce qu'on vous conseille. Et pour le coup, c'est pas d'être gentil avec tout le monde. C'est vraiment... d'être capable aussi d'être logistiquement là, suffisamment organisé pour pas avoir à faire de choix, mais pour tout faire en même temps. Et vous y arriverez très bien. Et votre capacité à faire ça ce mois-ci influera sur le futur de, alors, autant de vos finances que de votre emploi. Parce qu'au final, il y a une vraie constance, on a le sentiment. Et c'est la constance qui paye. Même si c'est dur pour votre... ben, j'ai envie de dire pour votre raison avec ce 10 d'épée.
est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 10 d'épée pour les poissons? Parce que le 10 d'épée, c'est quand même être mentalement épuisé. Et je trouve ça étonnant que c'est ça où il va vous falloir arriver. Parce que je pense que vous avez traversé probablement bien des choses. Et maintenant, vous vous dites, bon, bah, c'est bon, ça y est, je vais pouvoir me redresser. Et tout va bien. Mais c'est aussi comme si on vous disait, ne vous réjouissez pas trop tôt. Avec ce soleil dans les obstacles. Regardez, on a le diable. Il y a encore des choses où il va falloir que vous tiriez les ficelles. Il va falloir que vous agissiez en bon stratège ce mois-ci. Si vous avez l'impression qu'on vous ment, alors prêchez le faux pour savoir le vrai. Si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont étranges, alors allez-y à fond, à fond, à fond dans l'étrange pour justement faire ressortir tout ça. C'est très, 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 très tacticien, hein, on dira. Et cette reine d'épée, elle dit pas toujours, toujours, toujours la vérité dans cette position-là. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose avec prêcher le faux pour savoir le vrai. Surtout avec le soleil dans les obstacles, parce que vous, vous aimez ce qui est évident, vous aimez ce qui se présente et qui est là, positif, bien sûr. Et quand quelque part, il faut... Alors, je sais pas si c'est une histoire de faire semblant, ou... Il y aura peut-être des gens qui voudront dresser les gens les uns contre les autres, en disant, mais moi, je sais faire ça mieux, et moi, je sais faire ça mieux, et moi, je sais faire ça mieux. Et je pense que ça peut aussi amener du positif. Mais à force de trop briller, il y en a peut-être qui vont s'épuiser. Et vous, vous êtes avec ce 10 d'épée très, très alerte, on dira, mentalement. On a la carte du 9 de bâton avec ce soleil dans les obstacles. Il y a peut-être des moments où il faudra, vous aurez envie de lâcher du lest. Et avec ce 5 de bâton, on vous dit trouvez à ce moment-là quelque chose qui vous motive, qui vous donne un coup de pied aux fesses. Et puis montrez bien de quel bois vous êtes fait. Il y a des moments où vous allez voir le bonheur si près de vos doigts. Et il va y avoir à nouveau un nuage. Vous êtes là, mais c'est pas possible. Quand est-ce que ça s'arrête? Eh ben non, on continue. On continue, mais je vous avouerai, il faut vraiment vous permettre des moments de détachement. Même si vous êtes très, 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 très investi. Alors, ça veut dire aussi faire tout ce qui vous permet d'oublier certaines choses. Hein. Que ce soit vous retirer, que ce soit... J'allais dire, parce que le diable, c'est drogue, sexe et rock'n'roll, tout ce qui vous permet d'éviter la réalité. Si vous aimez courir, alors allez courir, engagez-vous dans un marathon, buvez un coup. Il y a cette idée d'avoir besoin de relâcher une certaine tension. Et pas forcément par des choses qui sont très saines, on dira. Alors si c'est avoir une séance de gossip avec vos meilleurs potes, faites-vous plaisir. Alors, dans les amours, 5 de coupe et cette lune. Alors, la lune poisson, bien sûr, c'est votre carte dans le tarot. Vous avez la lune dans les amours et le soleil dans les obstacles. Un peu comme s'il y avait quelque chose qui se cachait à vous. Mais vous venez aussi, et j'en doute pas avec ce 10 d'épée, de découvrir, ou vous découvrez des secrets, des choses qui sont cachées. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir jouer avec, on dira. Parce qu'il y a... Ce 5 de coupe, c'est une déception dans l'idée de si j'avais pu faire les choses différemment ou pourquoi est-ce que je ressens cette nostalgie. Mais il y a des émotions, c'est drôle, on a l'impression que vous écoutez certaines de vos émotions, mais que vous voulez plus être confus, donc il vaut peut-être mieux regarder les choses avec le verre à moitié vide. C'est un peu ça que j'ai comme sensation. Et pourtant, on a ce 6 de bâton. Vous voyez, vous avez 5 et 6 de bâton. Il y a quelqu'un en face de vous qui est très heureux, qui est très fier, qui est très content. Mais vous, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Mais alors, est-ce que c'est vous qui avez l'impression de faire
tous les efforts? Est-ce que entre ce que vous envisagiez et la réalité que cette personne vous propose, il y a une espèce de fluctuation qui vous plaît à moitié? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes dans cette relation, que vous allez dans cette relation en traînant un peu des pieds? Vous avez pourtant en face de vous quelqu'un qui est prêt, alors c'est drôle, à donner beaucoup, mais à prendre encore plus avec ce 6 de denier, en créant justement une dynamique de « je reçois et j'agis à égale distance ». Et vous, vous êtes là, mais jamais, rien n'est jamais vraiment égal. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors pourquoi ? On a l'impression que vous... Je viens de voir la reine de denier, vous avez reine d'épée, reine de coupe. Reine de denier, c'est celle qui promeut, c'est aussi celle qui est là pour faire, alors j'ai envie de dire faire de l'argent ou construire la sécurité du couple. Alors, c'est drôle parce que vous avez quelqu'un qui est très bâton. On a, que cet homme soit, que soit un homme ou une femme, on a un roi de bâton et une énergie de faire les choses comme... fais ce que je dis, tout simplement. Et puis, on y va, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Très positif, très joyeux, mais en même temps très, 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 très directif, cette énergie. Et on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous laisse peut-être le choix... qui est très enchanté de ce qui se passe, mais les choses doivent se faire à sa sauce. Et du coup, je pense que ça passe moyennement avec vous. Et que vous avez envie de montrer que vous aussi, votre avis, vos façons de faire, ça a autant de valeur. Alors aux yeux d'un roi de bâton, comme je vous dis, que ce soit un homme ou une femme, non. Parce que cette personne sait toujours mieux qu'eux. Et du coup, même si les choses se passent extrêmement bien, je pense que vous avez toujours l'impression de, comment on dit ça, de défendre votre bout de gras et ça doit vous peser un peu. Alors, je pense qu'il y a des hauts et des bas, ça doit vous peser et puis parfois vous devez vous dire « Ah bah c'est bien de se sentir porté. » Effectivement, si j'ai pas besoin de décider, c'est pas si mal. Et je le vois bien avec cette reine d'épée, vous regardez les tenants et les aboutissants, vous considérez les choses de plein de manières différentes. Mais il y a quand même... C'est un peu comme si vos rêves étaient en train de s'évaporer pour laisser la place à une réalité qui n'est pas du tout désagréable, mais c'était mieux dans votre tête. C'est ça, hein, poisson. C'était mieux dans votre tête. Alors vous aurez peut-être tendance aussi à pousser l'autre à bout avec ce diable dans là où il vous faudra aller. À essayer de jouer avec ses nerfs, on dira, avec ce 5 de bâton au milieu. Qu'est-ce qu'on vous conseille ce mois-ci? Restez dans vos... Restez sur vos positions. Si vous avez du mal à faire quelque chose, ne vous forcez pas pour faire plaisir. Parce que le soleil, c'est « Oh, viens, regarde, ça fait 3 jours qu'il pleut. Maintenant, il fait soleil, on va faire une marche. » Et vous êtes là, non. Oh, « Mais demain, il va pleuvoir à nouveau. Et ça va faire du bien, t'as l'air d'adorer le soleil. » Non, j'ai pas envie, là. Il y a quelque chose où vous pouvez pas forcer. Vous pouvez pas forcer, sinon vous sentez que vous, vous allez casser avec ce 10 d'épée là. Vous sentez que il y a des choses que vous allez dire qui seront peut-être pas des plus simples. Mais il y a aussi... c'est comme si vous rentriez dans un jeu où vous n'avez pas forcément envie d'y jouer. On a l'étoile à l'envers en dessous. L'étoile, c'est le signe du Verseau. Qu'est-ce qu'on a sur la table Capricorne. On vous avoue, poisson. J'ai aussi l'impression qu'on essaye un peu de vous amadouer. Et que vous, vous êtes arrivé au bout, vous vous rendez bien compte du stratagème et que c'est à vous maintenant de prendre les choses comme vous en avez envie. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux poissons avant de passer à l'extension? On va aller voir justement la manière dont les gens vous voient. Parce que là, je pense qu'on veut vous imposer certaines choses
Et vous êtes peut-être dans un état de fatigue mentale ou de labyrinthe mental qui fait que vous allez avoir envie de montrer les dents, je pense. Développez, laissez votre curiosité remonter à la surface. Est-ce que vous êtes en train de guider votre intuition dans une seule direction? Asseyez-vous avec vous-même et laissez votre esprit courir. Qu'est-ce que votre corps et votre esprit essayent de vous dire? Parce que là, je pense que l'esprit, il a énormément de choses à dire, mais il doit passer une étape. Et cette étape, même vous, avec vous-même, vous êtes là, je sais pas si c'est ce qu'il faut que je fasse, je sais pas si j'y suis poussée, ou si c'est parce qu'on me tire à faire ça, je sais pas si j'y vais de moi-même, ou si c'est parce que c'est juste une réponse presque instinctive à ce qui se passe, et agir. Est-ce qu'il y a une personne dans votre vie qui a l'air de se présenter comme gentil et aidant, mais en fait n'a probablement pas vos meilleurs intérêts en cœur? Qu'est-ce qui vous dit ça? Utilisez votre intuition pour vous mener vers des relations plus fortes et plus saines. Et c'est drôle parce que vous avez cette lune qui est l'intuition phénoménale chez les poissons et vous voulez pas l'écouter. Ce que vous devez écouter quelque part, c'est, j'ai presque envie de dire, c'est toutes vos peurs, toutes vos angoisses, parce qu'elles sont en train de sonner une espèce de sonnette d'alarme, poisson, qui est méga importante. Et vous savez tout à fait vous sortir de cette situation. Mais ça veut peut-être dire être obligé d'affronter une vérité que vous préférez regarder avec le cœur pour le moment. Oh, mais ça ira peut-être. On va aller voir dans l'extension qui vous accompagne. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de mai. Et je vous dis à bientôt, poisson. Merci. Au revoir.